Bien, bonjour YouTube. Et ben voilà, chose première, chose due, comme on l'a annoncé sur notre page Facebook, j'ai décidé de partir en amoureux avec ma moitié, donc vous risquez de l'apercevoir. Je vais essayer de la filmer à son insu parce qu'elle veut pas parler et puis elle veut pas être vue. Donc petit mini trek, randonnée de 2 jours, une nuit, environ 35 km dans les Vosges. Première partie, vous la connaissez plus ou moins pour celles et ceux qui ont vu la randonnée qu'on a déjà fait dans les Vosges. Par contre, ça va être agréable puisque le temps de la première journée est beau aujourd'hui, on a cette chance-là. On a un petit créneau horaire qui est sympa, donc ça permettra de découvrir de nouveaux paysages qu'on n'a pas découverts lors de leur première randonnée, puisqu'il a fait un mauvais temps le premier jour. Donc là, vous avez déjà un premier point de vue derrière qui annonce déjà une belle randonnée pour cette première journée. Et puis une nuit en refuge, c'est ça le programme, en amoureux tout simplement, avec un bon repas et tout ce qui s'enfuit. Voilà. Ouais, ben voilà, première halte dans cette toute petite, bon, je veux dire clairière plus que pleine, mais on regarde tout là-haut, on était là au tout départ. On a croisé des parapentistes là qui viennent de sauter. Et donc on est à 1117. Alors c'est sûr, c'est pas l'obus au jus. Oh t'es Dieu! Mais ça fait du bien. Et j'en connais une qui souffre là, vous l'entendez? Non. On profite des jolies lueurs de soleil là pour cet automne. Dommage qu'on soit en fin de saison parce que les feuillus ont déjà tout perdu leur robe un peu couleur orange brune. Donc c'est dommage. Et par contre le côté agréable c'est que on a un joli tapis de feuilles. C'est vraiment agréable là et on a vraiment de la chance avec le temps. Elle gueule. Voilà. Elle est toujours derrière moi. Elle gueule. Il paraît que c'est ça l'amour. Bon bah je vais la rejoindre. Hein. Pas le choix. L'automne nous offre des chouettes paysages, des chouettes couleurs, en espérant que le caméscope arrive à bien le choper. Le marron des feuilles, le vert de la plaine et le marron derrière, avec les lueurs du soleil au-dessus. Voilà, vous voyez bien. C'est vraiment magnifique, là, on se croirait dans un film de science-fiction. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guides me on. Reach my aim with respect, that's it I reject. You see, fuck their precept. Oh, oh, now I know who I wanna be. Life change, but never stop. And to keep going, sometime you have to drop something. Life is like that, so I'm not alright. But I stay on my track because I can't go back. Oh, 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 now I know who I wanna be. I wanna be a better man all day. Be better tomorrow than I be today. Just the fact to try give me peace of mind.
qui cherche un gant pour faire pipi. Non, je cherche du bois, je cherche du petit bois. Et justement, j'ai pas envie de tomber sur les coins où il y a du pipi. Bon, voilà notre petit coin de paradis pour ce soir. On sera tout seul dans le refuge, mais accompagné à quelques mètres. Mon père et son fils qui bivouent ici. Et ils ont un petit groupe en face là-bas. Mais ouf! Vraiment le petit coin de paradis là quand même. Vraiment, vraiment agréable. Avec le coucher de soleil. Une bonne petite nuit au programme. Bon, voilà, enfin à l'intérieur, il fait bon. On a allumé le poêle qui est ici. Et on a mis les bûches à sécher que j'ai coupées. Merci Fiskars. Et la popote qui est prête à chauffer pour les pâtes au curry et puis les saucisses de Montbéliard. Et le poêle est gentiment en train de réchauffer ce petit refuge. Voilà. Et on se laisse pas abattre. On s'est permis de tester également le lait en poudre qu'on a mis directement dans le café, parce que ma femme est adepte de lait en poudre. Et ça donne quoi du coup? Très bon. Très bon. Bon. Bien installé, il fait bon, tout va bien. Et une vue dehors magnifique, malheureusement, on ne peut pas vous la montrer avec la caméra. Avec les scintilles de les lumières de la ville qui scintillent. Réveil, il est 7h20. Vous voyez les lumières de la ville là et le magnifique lever de soleil. 7h06, c'est un paradis. C'est vraiment magnifique.
Et là, voilà, bon, bah, première nuit achevée, on est reparti, il doit être quelque chose comme 8h30, donc on va repartir tout gentiment en direction du lac des Perches pour remonter ensuite le ballon. Donc on va faire à peu près, 5 à 10 km de plus qu'hier, à peu près 25 km, 20-25 km. Donc nuit plus ou moins agréable. Bon, la première fois que je suis passé dans le refuge, il y avait personne qui nous a dérangé. Là, au final, il y avait des bivouaqueurs à droite, des bivouaqueurs en bas, des jeunes qui ont essayé de faire la fête, qui sont venus nous voir vers 10h du soir. Des Suisses allemands qui sont venus aussi, qui ont cru que le chalet était vide. Donc en gros, on s'est rhabillé 4 fois, donc ça c'est assez désagréable. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment ça a été, on a tenu le feu, il a fait bien chaud. Voilà, donc place aux autres pour le chalet. Chamois. Du coup, il y avait une seconde, le temps de dégainer le caméscope, il était déjà parti. Le but agréable parce qu'on arrive gentiment au lac des Perches. Il y a un peu là. On les entend. Voilà, nous voici dans les hauteurs du lac des Perches. Paysage magnifique. Et ça ennuyait parce qu'on entend toujours ces chamois là-bas, mais impossible de mettre. Impossible de les voir. Bon, c'est là où on a bifurqué par rapport à notre itinéraire la première fois. Nous sommes au lac des Perches. Voilà, on est descendu. On y est, on va gentiment remonter en direction du ballon d'Alsace. Et tout à l'heure, on était là-haut au-dessus du Pierrier. Voilà. Ensuite, on a longé. Et là, également, il y a un petit. C'est là où on a pris le point de vue en vidéo. Voilà. L'eau est limpide, magnifique. C'est vraiment chouette, agréable, et on est tout seul. Magnifique. Un bon chemin pour monter là-haut. Ouais. Bon, et ben nous voilà, on a fait la boucle pour la des Perches, ensuite on redescend. On est obligé de passer par la plaine de la Haute-Berce. Le chalet où on a dormi, c'était là. Ici, voilà. Et là, on redescend dans la vallée pour remonter ensuite. Parce qu'on est arrivé d'ici. Donc on a fait tout là, on était jusqu'au lac des Perches qui était à peu près ici. On est redescendu, on est remonté. Et la première partie pour redescendre et remonter direction la vallée ici. Donc journée bien sportive. Et cette fois-ci, le soleil est bien levé, pas de soucis. Bon, bah voilà, on vient du dessus. On descend en lacet tout gentiment. Et notre but c'est de redescendre là, comme on vous le disait. Donc là c'est entre deux lacs, avec un refuge gardé ici. Là. Donc c'est le lac du Grand Nauer, ou Nauer. Je suis pas alsacien, du Petit Nauer, ils sont côte à côte. Ouais, on passera l'accent. Hein. Nauer, forever. Ça va? Tu le gères de supporter ton homme? Ah, je suis toujours debout. Hein. Ouais, pas au contraire. Hein. Comme elle se la pète. Oh. Mais elle gère quand même. Allez, bon, c'est après 3 quarts d'heure de dénivelé négatif pur, environ 250 mètres de dénivelé négatif, qu'il va falloir remonter évidemment tout à l'heure. On arrive enfin au lac. Donc c'était une épreuve un peu plus difficile que ce qu'on avait l'habitude. Un refuge gardé ici. Et un premier lac, et le petit est à côté, je vous montrerai dans les prochaines images. Donc hier, en fait, la vue qu'on avait, on était, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident, d'être là-haut, là. Le lac paraissait tout petit, mais on comprend pourquoi, en fait. Ah, pardon, excusez-moi, on était première remontée au-dessus des crêtes. Donc voilà, avec une petite cascade qui se jette là-bas. On voit pas vraiment. Directement dans le lac. Chouette endroit quand même. T'as passé là? Oui. Ça fait moins.
paradisiaque. Voilà, on était tout au-dessus au départ. Bon, bah, nous voici à la ferme auberge du Gresson. Point de passage pour déjeuner ce midi. Je sais pas si c'est ouvert, mais on va manger notre lefilisé et puis voilà. On va mettre à personne. Sympa également comme vue. Appareil photo électrique, mais sinon vraiment agréable. Voici la vue de notre repas de midi. On a la vue, mais je crois qu'on a aussi les odeurs. La fosse à purin dedans. La fosse à purin, donc entre les odeurs de ça et du lieu physique, je suis pas sûr qu'on mange beaucoup là. La vue est belle, mais bon, vous avez pas les odeurs. Pour une fois, c'est vous avez de la chance. Voilà. Allez, on mange au-dessus de la fosse à purin. Quoi. Bon, c'est pas très bushcraft, hein, mais les agité aigu oblige. Et au menu pour madame, couscous. Couscous, ouais, il est pas vraiment garbite, mais couscous. Bon, on est au sommet d'un petit belvédère, là. L'occasion de faire un petit panorama à 360. Et chérie Chou, la voiture, elle est où? Là. Ouais, elle est là-bas, la voiture. Donc voilà, ça sera notre arrivée, c'est en fin d'après-midi, je suppose. Voilà. Bon voilà, on a un joli versant là avec encore des couleurs automnales. C'est magnifique. Et on a profité pour boire un petit café aussi là, dans un refuge. Et alors, on chouette la coin. Et on en profite également. Et une battue, chasse au sanglier. Qu'on n'est pas seul. T'as pas fini. Eh oui, 400 mètres de dénivelé, je sais que comme ça pique un peu. Eh, ça va. C'est que passage où il faut mettre les mains. Ça fait penser à jus. Elle est pour toi, celle-là. On est des tubes, on est pas des pots. Ah, c'est exactement ce que je disais, c'est bon. C'est respecté, la hiérarchie est respectée. Mon petit jus. Les 5 dernières minutes avant d'arriver au sommet. Youhou! J'en connais une qui galère bien. C'est vrai que la dernière montée est assez violente. On se retape encore à 450 mètres comme ça. Allez. Résultat, on va. Il ne reste plus qu'à aller là-haut. Il y a des gens là justement. Et à midi, en fait, juste après le déjeuner, on était là, dans cette plaine, à redescendre, tout au fond de la vallée et à remonter. Allez, c'est cadeau tout ça, c'est vraiment magnifique, ouais. Marie. Voilà, avec la chaîne des Alpes là-bas, qui est enneigée complètement, nos amis alpins encore une fois. Et voilà, donc les Vosges, il n'y a pas de grandes montagnes, mais vous l'aurez compris, on a crapahuté là-dedans, donc il n'y a rien qui est plat. Ça fait que monter, descendre, que monter, descendre. Donc voilà, vraiment chouette. Voilà. Un grand bravo à ma femme, là, qui a eu énormément de mérite. Elle a eu énormément de courage, là. Chapeau bas. Vraiment, là, chapeau bas. Félicitations, même. Bravo, là. J'en ai pas cru qu'elle va, donc ça fait à peu près, on a fait à peu près 1200 mètres... de niveau positif et négatif sur 2 jours. Donc elle qui n'avait pas l'habitude, respect. Bon ben voilà, c'est maintenant que s'achève notre aventure. Encore une fois, félicitations à ma femme qui a réussi à braver de nombreux défis. 1200 mètres de dénivelé négatif et autant en positif, c'était merci. Une sacrée épreuve. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, on a passé un bon moment en tout cas de notre côté. On a eu énormément de chance avec la météo parce qu'ils annonçaient pour cet après-midi de la pluie, donc même si ça se couvre, on a pas mal de chance. Encore une fois, félicitations à ma petite femme. Merci. Et bah, je crois que c'est l'heure de...
Tu n'avais pas mon orangina. Voilà, donc j'ai dû payer un orangina pour payer ça, ça c'est très bien cher. Ciao, ciao. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their leggings. None will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel that. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. Come take it, I'm open. Come take it, I'm open. There could be many people standing in my way. Some will help relieve my burden. Yeah, I feel that body through my legs. None will